Genre, il y avait déjà le désert, la neige et tout. What? What? C'est tellement moche. Non, en vrai, là, ça va. En vrai, là, c'est déjà jouable, tu vois. C'est dingue. Quand je sors de la douche, j'ai vraiment la tête d'un homme d'affaires. Genre, là, je suis là en mode. Oh, bonjour, voulez-vous une tasse de thé? J'ai de l'ice tea. Non, ça, par contre, c'était vraiment pas drôle. En plus, il n'y a rien dedans parce que c'est la crise. Donc, voilà. Yo les gars, c'est Zeno et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on va réagir à une petite vidéo évolution de Fortnite Battle Royale de 1990 à 2020. 1990, vous allez voir pourquoi, il y a un petit truc un peu drôle au début, voilà. Donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Juste avant, n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification et mettre un petit pouce bleu, voilà, c'est... Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. N'oubliez pas aussi que vous pouvez mettre le petit code Zeno dans la boutique, Z-E-N-O, 4 lettres. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, du coup on va passer tout de suite à la vidéo les gars. Du coup c'est parti, Fortnite Battle Royale 1990. En vrai, ça n'existait pas, voilà, je vous le dis, ça n'existe pas. Cette chose-là, c'est une invention de toute pièce. Epic Games n'ont jamais sorti ce jeu, voilà, c'est un petit troll, on va dire. Bien sûr, parce que le skin, lapin en plus, est sorti bien plus tard. En vrai, c'est bien fait, en vrai, pour un mini troll, c'est assez bien fait, en vrai. Je sais pas qui est la personne qui a fait ça, mais c'est un génie. En vrai, en vrai, ça aurait pu, hein. En vrai, ça... Non, c'est trop nul. C'est vraiment trop moche. Imaginez si le jeu... Si le jeu aurait vraiment été comme ça. C'est horrible. Genre, il y avait déjà le désert, la neige et tout. What? Quoi? C'est moi, il vient de créer un coffre. Il coupe des arbres et il crée des coffres. Mais ça n'a aucune... ça n'a aucun sens. Ok, il vient d'avoir un sniper dans un arbre, en fait. C'est tellement mal fait. Enfin, en vrai, c'est bien fait. Mais ça aurait été tellement injouable un jeu comme ça. Avec le petit balai masque, bien sûr. Le top 1. En tout cas, GG, très fort le mec. Il a réussi à faire top 1. Genre, il a vraiment fait une évolution. What? 2000, non, arrêtez. Ça, c'est pas un vrai jeu, ça. Ça aussi, c'est un troll, rassurez-moi. J'arrive pas à dire, en vrai. Non, c'est... Ça n'existait pas, les gars. Ça n'existait vraiment pas. La première version de Fortnite, c'était en 2011. J'en suis sûr. Quoi? Mais qui a fait ça? Mais qui est le malade qui a fait ça? Ok, on va voir. Hein. What? C'est tellement moche. C'est tellement moche, mais en vrai, c'est sûr à quoi le jeu aurait ressemblé s'il serait sorti des dizaines d'années plus tôt, quoi. Tilted Tower. C'est juste de l'eau. Oh, c'est tellement moche. Oh, il a fait exprès de le rendre super moche, quoi. Genre, ça, c'est un mur. Non, mais... C'est vraiment trop moche. Mais en vrai, c'est bien fait, quoi. 2006. Bon, pour l'instant, c'est toujours pas le vrai Fortnite. Le jeu n'existait pas, je vous rassure. What? Mais s'il aurait existé en 2006, ouais, ça aurait été ça. Sur la PlayStation 2, bien sûr. Putain, c'est tellement... De style dépôt en PlayStation 2, quoi. Non, en vrai, là, ça va. En vrai, là, c'est déjà jouable, tu vois. En vrai, si le jeu serait sorti sur PlayStation 2, ça aurait pu marcher. Bon, après, les mécaniques sont très moches. Hein, on le voit très bien. Le jeu n'a aucun sens et c'est très moche. Et la dispersion des balles est inexistante. Mais ça aurait été jouable, déjà, tu vois. Putain, mais en vrai ça va. Ça, sur la PlayStation 2, genre je m'attendais à ce que ce soit pire, non, en vrai c'est largement jouable. La zone et tout, enfin en vrai tout est là. Tout est là. Il peut placer des murs. Et bien en plus, enfin. Bon après il n'y a pas de délai de construction, mais ça va, on va pas trop en demander non plus. Putain, mais je sais pas qui est le mec qui a fait ça, mais c'est un pur génie vraiment. Il est très fort. Hein. Est-ce qu'il va faire top 1 en plus? Bon, en plus, je me doute que ça doit être des bots en face. Parce que je pense que c'est le seul à avoir eu la version de ce jeu. Puisque c'est lui qui a dû la créer. Mais les bots, ils savent tirer. C'est pas mal. C'est comme les bots actuels, en fait. Ok, du coup, là, on a Fortnite 2011. Et ça, c'est le vrai jeu Fortnite. Bon, pour l'instant, il n'y avait pas le Battle Royale. Il n'y avait que le sauver le monde.
Mais déjà, on voit que la qualité n'est pas ouf. What? Les mécaniques aussi, genre, what? Le jeu était vraiment plus moche. What? Il construit un pont. Est-ce que... What? Ah oui, il construit vraiment un pont, genre, vraiment. Juste un pont. What, mais... Qui... Personne ne construit comme ça, en vrai. Bon, après, c'est le sauver le monde, donc il y a peut-être des trucs qu'il n'y a pas vraiment dans le vrai Battle Royale. Mais qu'est-ce que c'était... C'était moche, quand même, quoi. Mais c'était moche, mais c'était bien, quoi. Enfin, c'est le Fortnite qu'on connaît, quoi. C'est pas... Ouah, les pièges! Je sais pas si... Mais en vrai, les pièges, ils sont 1000 fois plus stylés comme ça, les gars. Mettez les pièges comme ça, ils sont beaucoup plus stylés. Après, ça, c'est des pièges du mode sauver le monde, je suppose. Là, c'est pas... Il n'y a pas de grosses surprises. Moi, je veux voir le Battle Royale, vraiment. Ok, violence, oui. Grosse violence. Ok, là, de Fortnite 2015. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est encore sauver le monde. Ok, du coup, ça, c'est la vraie version de Sauver le Monde. C'est la première vraie version, on va dire. Survival. Du coup, là, ça se rapproche pas mal de ce qu'on connaît. C'est moi où il y a... Ok, la musique vient clairement de changer pour aucune raison. Il a mis une musique un peu ambiante, un peu dansante. Sympa, sympa, en tout cas. Ok, bon, bah, Sauver le Monde... C'est pas une grosse surprise. Moi, perso, je joue pas énormément en sauver le monde. C'est pas mon plus gros kiff. J'aurais préféré un mode survie sans zombie, en fait, je pense. Ça aurait été mieux. Enfin, moi, j'aurais préféré, perso, je pense. Toujours violence, bien sûr. Ok, 2017, et ça, c'est la première version du mode Battle Royale. What? Comment ça s'appelait déjà la zone avec le labyrinthe? J'arrive pas à me rappeler, ça me saoule. C'était un truc forest, ça, il y avait un W je crois dedans, si j'arrive pas à me rappeler les gars. Putain, le mode Battle Royale, les armes, je sais pas pourquoi mais la graphique elle me paraît trop bizarre genre. En vrai je pense c'est psychologique plus qu'autre chose mais... Ouah. Mais qui place un mur? Non mais les gars, qui place une moitié de mur en vrai? En 2020, personne ne fait ça. Avec ces pièges, en vrai c'était cool comme piège ça, dommage qu'il les ait enlevés. Ok du coup ça c'était la première version. Fortnite 2018, what? Ouah, sur téléphone, ouah, oui, j'avais carrément. En vrai, c'est ça qui est bien avec Fortnite, c'est qu'il est partout. Nintendo, PlayStation, PC, Xbox, téléphone, partout. Tout le monde, et tout le monde peut jouer ensemble. Un joueur tel peut très bien jouer avec son pote qui a un PC. En vrai, c'est ça qui est fou. C'était trop, trop bien, what? Je me rappelle à l'époque quand c'était sorti sur télé, les gens ils étaient en mode mais c'est incroyable! Un jeu aussi bien sur téléphone mobile! Fortnite sur Switch, voilà, il est sorti sur Switch aussi, c'est. En vrai, c'est ça qui fait sa force, tu vois. Dommage qu'il soit parti en couille le jeu. En vrai, il avait tellement de potentiel, il aurait pu tellement marcher encore mieux qu'il marche actuellement. Parce que là, on va pas se mentir, les gars, Fortnite en 2020, en ce moment-là, c'est vraiment à la décadence de ouf. À part le concert Travis Scott, y a pas grande-chose bien. Oh les caddies! Oh, je me rappelle la sortie des caddies, c'était tellement stylé, c'était le premier véhicule du jeu. Et Fortnite avait dit qu'ils allaient pas mettre de voiture, bah finalement ils l'avaient fait quand même. Mais de base ils étaient pas censés sortir de véhicule. Mais du coup ils avaient sorti de véhicule sur une petite map, et maintenant on a une map 10 fois plus grande, et ils se sont dit, les gars vous savez quoi, on va mettre juste des bateaux. Comme ça, tranquille. Android 2018, ouais c'est en 2018, c'est après la Switch qu'il est sorti sur Android. La map, elle était tellement bien avant. Moi, je kiffais trop. Je kiffais beaucoup trop. Avec le petit terrain de golf. Ah, les Vikings aussi. C'était vraiment trop bien. J'ai le hockey d'un coup. Tellement ça me manque, j'ai le hockey. Tilted Tower, bien sûr. La ville mythique, quoi, qu'ils ont enlevé. C'est malade. Saison 9, ouais. Moi, c'est à la saison 9 que j'ai vraiment arrêté de jouer. Enfin, j'ai petit à petit arrêté de jouer. C'est vraiment à la partir de la saison 9 pour moi. C'est trop nul, regardez, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, genre Fortnite, c'est plus Fortnite. C'est quoi ça? Nous, on veut Tilted Tower. On veut des villes simples, efficaces. Là, c'est trop, ça part trop en steak, genre. C'est plus aussi fun, tu vois. Moi, je veux du fun, je veux que le jeu il soit simple, facile, qu'on puisse s'amuser, quoi. Ah oui, les robots. Ah oui, c'est à cette saison-là que le robot il est sorti, je crois. Le robot, le pire truc vraiment. Robot, je crois que c'était le truc le plus cancer qu'il y a eu sur Fortnite. Hein, c'était horrible.
Ils l'ont patché 15 fois, il était quand même tout aussi cancer et aussi cheaté, genre c'était n'importe quoi. Il y avait ça à trouver aussi, enfin. Il y a trop de trucs en fait, il y avait trop de trucs, genre le pass combat il était bien de base où t'avais juste rien à faire. T'avais juste des défis par semaine et c'est tout. Après il y a eu trop de trucs à trouver, trop de... Avec le jus de banane. Ok, donc là il a juste mis vraiment le trailer de la saison 9. Il savait pas quoi mettre et vraiment il aurait pu mettre le trailer de la saison 2. Là où il y avait les chevaliers, mais non. Ok, c'est à la saison 10, ok non c'est à la saison 10 que le robot est sorti. Vraiment pire truc, vraiment. Il y avait pas pire que les robots. Dites-moi si vous pensez qu'il y a eu un truc plus cancer que les robots. Il y avait les avions aussi, mais c'était pas du tout aussi cancer que les robots, vraiment. Robot, pire truc. Trop chiant, vraiment. Le mec, il avait un robot, tu pouvais rien faire. Fallait le spam pendant une demi-heure. Et s'ils étaient deux dans un robot, là, t'étais vraiment mort. Parce qu'il y en a un qui tirait dessus pendant que l'autre, il s'en battait les couilles, tout simplement. C'était beaucoup trop cheaté. Ok, avec le pass combat. Bon, ça, on sait c'est quoi, je pense, la saison 10. Moi, c'est à partir de la saison 10, j'ai vraiment arrêté, vraiment. Ça m'a gavé de ouf. Bon, à vrai dire, j'ai même pas vraiment regardé le trailer. Je découvre avec vous, je découvre en même temps le trailer de la saison 10 parce que je l'ai pas regardé. Vraiment. Fortnite saison 10. À partir de là, on a eu le chapitre 2. Chapitre 2, saison 1. Qui ont changé toute la map. Ça, je pense, c'était une des pires. Enfin, vraiment, c'était pas à pas faire. Hein. La map était très bien avant. Moi, elle me manque, l'ancienne map. Vraiment. Elle me manque tellement que j'ai. J'avais envie d'éternuer tellement elle me manquait, les gars. C'est incroyable. Avec la pêche, non mais. Qui chez Epic Games s'est dit: ok, les gars, c'est un jeu Battle Royale. On va intégrer un système de pêche. Vraiment, là, c'est cool, hein. C'est cool. On a des poissons super cheatés. Mais qui a eu l'idée, genre? Ils auraient pu mettre n'importe quoi, genre des nouvelles armes, des nouveaux moyens de déplacement, par exemple, en plus du bateau. Ils se sont dit, on va mettre de la pêche. Voilà, on a mis de l'eau sur Fortnite, on va mettre de la pêche aussi. En vrai, la saison, le chapitre 2, pour moi, est déjà meilleur que la saison 9 et 10. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas l'ancienne map, quoi. Ok, du coup, c'est fini. Ah ouais, c'était une vidéo assez drôle. En tout cas, les gars, si la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, très 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 important. Comme ça, vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo ou dès que je lance un stream, par exemple. N'oubliez pas aussi le petit code Zeno dans la boutique. Les gars, je suis sûr parmi vous, il y en a au moins 3 ou 4. Allez, au moins 3 ou 4 parmi vous, vous êtes là, il y a votre console à côté avec Fortnite d'allumé. Vous allez dans la boutique, ça prend 3 secondes, vous mettez code Zeno, Z-E-N-O, 4 lettres, voilà. Vous enlevez le code Michoucroute, vous enlevez ce qu'il y a, les gars. Eux, ils ont déjà plein de soutien, moi je n'en ai pas beaucoup. Vous mettez code Zeno, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui le font, ça m'aide énormément. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les potes.